Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Femmes d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons découvrir la carrière et la vie d'une femme fabuleuse. Il s'agit de Manon Chouchat. Manon Chouchat est un exemple à suivre en ce qui concerne l'espoir, l'amour de la vie et également les objectifs de cette vie. Suivez-nous et cette édition de Femmes d'Égypte afin de découvrir les points marquants de la vie de l'artiste peintre Manon Chouchat. Manon Chouchat, bienvenue dans notre programme Femmes d'Égypte. Ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de découvrir les points marquants de votre vie. Et on commence toujours avec une carte d'identité que vous présentiez à notre public. Bon, j'ai fait mes études à l'école Sacré-Cœur, c'était français avec les sœurs. Ensuite, j'ai continué à l'université américaine, le sciences politiques et le minor, c'était la psychologie. Ensuite, bon, je me suis mariée assez jeune. J'ai eu deux enfants et puis j'étais avec mon ex-mari, on avait un magasin Benetton. Ensuite, il y a mon parcours de beaucoup de travail. Ensuite, j'ai travaillé quelques années à l'ambassade du Brésil. Et vers les années 2000, mon père avait une imprimerie depuis les années 1956. Et j'ai décidé de continuer son parcours. Donc, j'ai quitté l'ambassade du Brésil. Et je me suis dit que je me lance au privé et continue le parcours de mon père. Et c'est là que j'avais ouvert une imprimerie en 2001. Je voudrais parler de votre travail au sein de l'imprimerie comme femme égyptienne. Comment vous vous êtes lancée dans ce domaine, étant donné que vous aviez une étude assez occidentalisée? Alors comment vous vous êtes débrouillée avec les ouvriers, avec les différentes tranches de la société égyptienne à travers votre travail? Oui, effectivement, ça n'a pas été très facile pour une femme en Égypte. Et ce n'est pas un travail de femme vraiment être imprimeur. Mais moi l'idée, c'était de continuer le chemin de mon père. Donc, c'est comme ça que quand j'ai débuté en 2001, j'avais amené 4 ouvriers de l'ancienne imprimerie. Donc déjà, ces genres d'ouvriers, quand ils ont commencé avec moi, débuté, ils faisaient partie de la famille. Donc, ce n'était pas pour moi... Je n'ai pas ouvert tout d'un coup l'imprimerie, j'ai amené des ouvriers dehors. Donc, c'était un suivi de ce domaine. Bien sûr, il fallait engager d'autres ouvriers et tout ça. Ça n'a pas été facile parce que certains, quand ils sont, comment on dit, professionnels, hosta dans la machine, ils vous disent « Non, je n'aime pas travailler parce qu'une femme soit propriétaire. » Et c'est vrai, ça m'est arrivé quelques ouvriers qui ont refusé quand on a dit que la femme est propriétaire et c'est elle qui gère. Parce que vous pouvez être propriétaire et vous avez un directeur. Mais c'est moi qui étais propriétaire et je gérais. Donc, ce n'était pas très facile. Mais à la fin, ils se sont habitués quand certains ont travaillé. Bon, ils ont vu que toi, tu fais ton travail, on se met d'accord, on met les points sur les i et ça marche bien. Et ça a parcouru. Et comme c'était une imprimerie que j'ai ouverte, ce n'est pas vraiment une imprimerie commerciale, quand vous dites que c'était plutôt artistique, donc je choisissais ma clientèle. Donc, je n'imprimais pas n'importe où, n'importe comment, parce que Yannick, déjà, on vous traite mal et puis ils n'apprécient pas votre travail. Moi, je voulais faire les choses comme j'ai appris. J'avais pris des cours et mon père aussi, bien sûr, était bien renommé. Donc, je voulais poursuivre la ponctualité du travail. Il y a ni tout que ça soit fait aux normes de l'impression, comme on l'apprend dans un livre. À un moment donné, vous avez pris une décision assez difficile pour chaque être humain, c'est d'arrêter le travail à l'imprimerie et de commencer une nouvelle phase de votre vie. Parlez-moi un peu de cette période de transition, juste après la fermeture de l'imprimerie et les premiers pas à travers la retraite. Oui, vous avez raison, parce qu'avoir passé 17 ans à l'imprimerie, c'était ma vie entière. C'était 6 jours par semaine, de 9h à 7h des fois. Je ne voyais pas beaucoup mes enfants, ma vie personnelle, donc j'étais très attachée. Et pour terminer la période d'imprimerie, j'étais aussi renommée pour les faire part de mariage. Donc, dans toute la société que je connais, ce qui est super, parce que jusqu'à maintenant, j'ai fermé en 2016, quand je les rencontre, ils se rappellent toujours les faire part que j'ai fait à tout le monde. Donc, il y a une suite, il y a une continuité.
Et pour prendre une décision pareille, ce n'est pas facile, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup qui... Peut-être ça demande du courage, parce que pour terminer quelque chose... Bon, il y a eu des raisons qui m'ont amené à terminer, parce que j'ai vu qu'à la fin, le bénéfice n'est pas très grand autant de travail que je donne. Donc ça commence à diminuer pour des raisons économiques autour de nous. Donc tous les grands bénéficiaires, c'était mes ouvriers. Donc, ça avait, et puis il y a les problèmes des impôts, il y a des problèmes de, comment on dit, les ouvriers. Donc, c'est moi qui prenais toute cette responsabilité, donc c'est beaucoup de dépenses. Et j'ai décidé... C'était fatigant. C'était très fatigant, très fatigant. Et surtout que mon comptable m'avait quitté, le comptable que j'avais au bureau en 2014. Bon, il a dû quitter parce qu'il n'était pas correct, il n'a pas été très honnête. Et je me suis trouvée aussi prendre la comptabilité en charge. Alors, ça, c'est trop pour moi. M'occuper des ouvriers, m'occuper des clients, m'occuper de la qualité, m'occuper de la comptabilité, que c'était un autre à part. Et je ne voulais plus amener, engager quelqu'un d'autre. Donc, je devais quitter parce que ma santé a été affectée. Ma santé, le stress. Vous savez qu'est-ce que le stress fait à l'être humain. Ça affecte le psychique, ça affecte votre santé. Donc, il fallait que je dois survivre. Ou si je continue comme ça, je vais être vraiment très malade et personne ne va être auprès de moi. Alors c'est vrai, vous étiez très courageuse en prenant cette décision et après vous vous êtes lancée dans un domaine plus relaxant. Oui, et qui fait partie de mon pays parce que bien sûr tout vient graduellement. On ne peut pas, on va pas décider aujourd'hui et demain vous fermez. Ça ne se passe pas comme ça. Surtout quand vous avez un business, vous avez des ouvriers, donc il faut aller graduellement. Il faut commencer à leur faire comprendre qu'on va diminuer les salaires, qu'ils aillent trouver ailleurs. Et on ne peut pas fermer du jour au lendemain parce que j'avais à un moment donné 26. C'était un petit travail, 26 ouvriers. On ne peut pas les jeter à la porte, bien sûr que non, ce n'est pas humain. Donc ça a commencé en 2014, quand elle quittait. Je commençais alors à me lancer pour me relaxer dans le coloriage des mandalas. Ça, c'est quelque chose de relaxant. De 2014 jusqu'à 2016, fin 2016, je faisais ça. Quand je revenais après mon stress, tout ça, je colorais. Et ça me relaxait. Et ça fait partie de mon imprimerie, parce qu'en imprimerie, il y a des couleurs. Et j'adorais les couleurs. Et dans les faire-part, j'aime faire produire des choses à la main. Et voilà, en 2016, quand j'ai fermé, quand j'ai fait ces mandales à mes amis, quand ils ont vu tout ça, ils m'ont dit, Manon, tu dois commencer à les encadrer, tu peux les vendre. Bon, je dis, oui, c'est une bonne idée. Ils m'ont dit, c'est tellement beau. Continue à faire ça, c'est un projet. C'est là que ça m'a cliqué. Je me dis, voilà, donc je veux commencer à faire un projet individuel. Et ce que je ne voulais plus aller travailler, j'ai pris ma retraite, alors comme on dit. Peu importe l'âge, mais avec la décision de la retraite, il faut quand même avoir un objectif. Ah oui, ça c'est nécessaire, parce que sinon la vie n'a plus de sens. Bien sûr, j'ai un objectif personnel, j'ai mes filles qui grandissent, et j'ai une petite fille maintenant, donc ça déjà c'est un objectif que... Mais vous savez, nos enfants, c'est fini, ils volent de leur propre aile, ils ont leur vie, ils ont leur mari, ils ont leurs enfants... Nous, on est là comme parents pour aider, pour être auprès d'eux quand ils auront besoin. Et, vous savez, c'est fini, la jeunesse n'est plus comme dans le temps. Chacun, donc je ne peux pas rester aussi toute seule. Et de l'autre côté, je dois avoir un objectif. Alors j'ai profité, il faut essayer, savoir aussi transformer le négatif en positif dans votre vie. Ce n'est pas facile, mais il faut avoir le discernement comment le négatif, c'est-à-dire j'ai fermé. Bon, vous dites, j'ai fermé, je n'ai plus de travail, comment je vais vivre? C'est déprimant. C'est noir. Il ne faut pas le voir noir. Il faut le prendre que c'est une période de transition. Il faut avoir le courage et être soutenu de votre famille. Et l'entourage, vos amis, l'amour que vous avez de votre entourage, ils vont vous aider à surmonter cette chute, cette déprime, appelez-la comme vous voulez. Et voilà, comme mes amis m'encouragent dans les peintures, là, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans le coloriage, je fais des cadres.
Et dans la peinture. Madame Manon Choucha, je vois autour de vous plein de tableaux qui reflètent votre talent. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu l'idée de rassembler ces tableaux à travers une exposition? Oui, sûrement, c'est mon plan futur. Bientôt, futur, ça peut être quelques mois, dans un an, parce que j'ai vu durant l'année passée beaucoup de galeries. Et apparemment, parce que c'est un nouveau domaine pour moi, donc je dois rentrer, un, voir les galeries, comment faire des expositions. Deux, j'apprends vraiment, j'ai décidé d'apprendre vraiment la peinture et le dessin, comme le livre aussi. Alors je prends des cours en ligne. J'ai des artistes où j'ai des dossiers où j'ai beaucoup de... J'apprends aussi l'histoire de l'art. Impressionnisme et cubisme et toutes les pensées différentes de... Parce que, bien sûr, quand je veux me lancer maintenant dans la peinture, j'aurai mon style à moi. Mais je me réfère à certains styles. Bah, je découvre que peut-être je peux être... Je découvre que je suis impressionniste parce que je fais les détails comme les impressionnistes. Bon, tout ça, j'apprends alors. C'est comme c'est un nouveau domaine. Comme j'ai fait avec l'imprimerie, alors c'est pour ça. Quand vous faites une nouvelle vie, vous recommencez, prenez-la depuis le début. Je vois que non seulement vous aimez l'art, mais vous aimez la recherche en général. Vous êtes toujours à la quête de quelque chose, vous entamez des recherches pour vous-même. Parlez-moi un peu de cette passion pour la recherche. Oui, ça, depuis des années de ma vie, je suis toujours à la recherche du savoir, comme beaucoup de philosophes. Qui sommes-nous? D'où nous venons? Pourquoi? Et quel est notre chemin? Quel est notre parcours? On est là sur Terre, on vit 70, 80, 100 ans. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, c'est des recherches qui ne vont jamais finir. Bien sûr, je ne peux pas vous donner la réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse. Une vérité, elle n'existe pas. C'est faux que je puisse vous dire, je connais. Non, je suis à la recherche, mais je suis proche. C'est comme une échelle, si je veux, comme une échelle de Jacob. Ça veut dire que vous vous êtes intéressé à tout ce qui est lié au domaine de au-delà, à la métaphysique, à la spiritualité. Exactement, parce qu'en effet, d'entité, maintenant qu'on voit le progrès de la science, la physique quantique, nous sommes 2019, il ne faut pas oublier. Et tout, il y a eu des développements personnels aussi depuis les années 80. Tout ça, ça a commencé l'inconscient, le conscient, comment l'être humain agit. Et je découvre que tout est relié, nous sommes tous reliés. Nous sommes, l'être humain est fait d'atomes, de molécules, d'énergie. Il y a l'électromagnétique. Alors tout ça, c'est la physique quantique qui nous apprend tout ça. On est un, il y a le créateur autour de nous. Bon, on l'appelle Dieu, on l'appelle la grande intelligence universelle. Appelez comme vous voulez. Il y a quelque chose qui nous gère là, l'au-delà. Et quand on voit l'astronomie, tout l'avancement scientifique, on commence à découvrir qu'on est petit quand même, nous, l'être humain. Je vous dis, 100 ans de vivre, ce n'est pas beaucoup. Et quand on voit que notre Terre existe depuis 4 milliards d'années, waouh, ça vous donne à penser. Et à repenser, voilà. Alors tout ça, ça demande beaucoup de recherche. Ce que j'aime vraiment à propos de vous, c'est que vous avez des objectifs et vous avez des plans pour l'avenir avec plein d'enthousiasme. Et je voudrais savoir quelle source d'énergie est derrière tout cet enthousiasme. Excellente question. C'est ce que je vous dis de toutes les recherches que je fais. Il y a un créateur, il y a quelqu'un. On a des dons. Quand on était plus jeune dans les régions, on entendait on a le don, il faut profiter. On ne comprend pas beaucoup c'est quoi le don. Le don, c'est ça, voilà. Je me découvre que j'ai des dons artistiques. Avec mon cheminement d'imprimerie, il m'a mené à l'art, à me découvrir que j'aime la peinture. J'adore les arbres. Mais les arbres aussi, c'est très philosophique. Ce n'est pas seulement l'arbre pour l'arbre, parce qu'il a des racines qui vont sous la terre. Comme nous, l'être humain, on a nos racines qui vont sous la terre. Et ils grandissent avec les feuilles, les branches, ils vont au-delà. Et ils veulent toujours aller plus haut, plus loin. Et ça me rappelle l'homme, ça me rappelle les recherches que je fais. Ça me rappelle ce... Alors voilà, j'ai la chair de poule en vous parlant parce que je sens vraiment, c'est de l'énergie, vous parlez, que je suis passionnée, je suis éblouie de tout ça. Et je veux
le répandre autour de moi et dire à toute l'humanité, ne vous en faites pas, même si vous avez des petits pépins, on va les appeler des petits pépins dans le temps, je pensais que c'était des catastrophes, mais c'est des petits problèmes journaliers. Quand vous allez connaître qui vous êtes vraiment, et aller dans l'intérieur, vous allez trouver que tout ça, c'est banal. C'est des petites choses de la vie de tous les jours. Une petite dispute là, un petit problème. Il faut voir l'au-delà de tout ça et vous allez découvrir que votre travail que vous faites, chaque travail, comme vous, dans votre métier, vous allez trouver qu'il y a une beauté. Vous faites un travail aussi fabuleux vous-même. Vous me filmez pour passer le message à tout le monde. Vous avez filmé beaucoup de choses. Et vous avez passé beaucoup de messages autour de vous sans que vous vous rendiez compte. Et sûrement, vous avez fait du bien. C'est vrai, sans qu'on se rende compte. Déjà, quand vous avez des témoins, des gens qui viennent vous remercier sur votre YouTube ou tout ça, vous allez découvrir quel bien vous avez fait. Des fois, vous dites, j'ai perdu ma vie dans mon travail. Non, non, on n'a pas perdu notre vie, croyez-moi. Quand vous m'avez parlé avant ça, vous m'avez dit, on a perdu notre vie, notre santé. Non, vous allez découvrir que vous avez fait plein de belles choses. Ces idées positives sont à louer et je voudrais savoir toute cette énergie, toutes ces idées, est-ce qu'elles sont liées à un autre effort physique qui soit là à côté de tout ce qui est bon dans la tête, les idées, l'avenir et les plans? Bravo que vous m'avez parlé de ça, exactement. Dernièrement, parce que, bon, comme tout le monde, on a des problèmes de dos, dernièrement, je me suis lancée aussi. Bien sûr, toujours, je faisais de la gymnastique, tu sais, vous savez, la marche et tout ça, pour me maintenir, et pour que diminue le stress. Et je viens de me lancer dans quelque chose qui s'appelle le tai chi. Ah oui, je connais le tai chi, je l'ai pratiqué pour 3 ans. C'est génial, il faut continuer. Je viens d'apprendre de me lancer de ça, parce qu'il y a eu un neurologue qui m'a dit, pour tes maux de dos, il faut se faire dans le tai chi. Et à vrai dire, une amie que je connais bien en France, qui, on va dire, c'est mon impresario dans mon nouveau travail, mes tableaux. Bon, elle m'encourage aussi. Je me suis lancée dans le tai chi, le qigong aussi. Alors, puisque vous avez, donc vous connaissez, ça c'est très bien parce que là, ça complète ce que moi, dans mes études. Ça enlève le stress. Oui, et moi, je n'étais pas trop yoga parce que j'ai essayé dans le temps yoga, je n'avais pas aimé. Je n'ai pas trop aimé l'aérobic parce que c'est trop dur. Et j'ai trouvé que ça me complète à moi. Dans mon cheminement spirituel, mes recherches, mon art, je vois que le tai chi s'amalgame très bien et je fais ça 2 fois par semaine avec un prof. On va au Maryland, dans le plein air, je ne le fais pas dans un studio. Et on va au Maryland, il y a les arbres et j'adore les arbres et la nature. Et je fais de la natation 3 fois par semaine à la piscine aussi. Je me suis dit que pour des mouvements aussi. Et alors, mes journées sont très chargées, comme vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas venir dire, quand on est en retraite, essayez de prendre votre retraite. C'est un message que je passe à tout le monde, hommes et femmes, bien sûr, parce que c'est un sujet de femmes. Prenez votre retraite le plus vite possible pour pouvoir avoir le temps de rester en santé, de profiter de vos enfants, de vos petits-enfants. Parce que si on prend la retraite à 70 ans, on n'a pas le temps de s'occuper des petits-enfants. Donc, essayez le temps pour faire du sport, de la gymnastique. Bon, je fais attention à ce que je mange. Je ne suis pas à régime. Je connais mon corps, j'ai appris à connaître mon corps et je respecte mon corps, comment il est fait de molécules, d'atomes. C'est fabuleux. Et à vrai dire, notre corps, il se soigne tout seul, comme la nature, comme les plantes. Et donc, je mange, ok, un petit chocolat de temps en temps, tout ça, mais j'essaye de manger sainement, des fruits, des légumes. J'essaye de tout cuisiner à la maison, sans beaucoup de beurre, sans beaucoup d'huile. Et j'évite les junk food et... Je vis une vie normale, mais je ne suis pas obsédée par tout ça. Retour encore une fois à l'art. Et vous avez parlé d'une exposition au cours de laquelle vous allez présenter une nouvelle idée. Exactement, c'est vrai. Oui, je m'étais arrêtée, je m'excuse. Alors j'avais dit, j'ai été voir les galeries et j'ai vu qu'apparemment, il faut s'engager avec eux 1 an d'avance. Et des fois, ceux qui prennent 1 an et demi. Et j'ai su certaines galeries, qu'est-ce qu'ils demandent de moi. Certains me demandent des grands tableaux, des formats de 1 mètre x 70. D'autres veulent plusieurs, donc ils veulent au moins une quinzaine, une vingtaine minimum. Et j'ai une nouvelle idée qui, c'est spécial à moi. Et ça fait plus de 6 mois que je me trotte dans la vie. Aussi, ça fait partie de l'art, je fais des petits points, des demi-points qu'on appelle des canevas. Et j'ai voulu maintenant amalgamer, faire le petit point et l'encadrer avec un tableau
la peinture qui le complète. Et justement, alors, pour avoir les petits points, il faut avoir des tables, avoir fini certains. Bon, j'en ai fini au moins 5-6, deux grands pour l'instant et des petits. Et je suis en train de faire des tableaux avec la peinture acrylique, adaptables à ces petits points. Maintenant, je ne pourrais pas vous voir parce que le projet n'est pas terminé. Mais c'est ça que d'ici, j'espère, on est en 2019 maintenant, août, j'espère que février, mars, peut-être 2020. J'aurai terminé toutes les galeries qui m'ont demandé ce qu'ils veulent comme tableau et j'aurai ma nouvelle production, une nouvelle idée que je n'ai pas vue autour de moi, à vrai dire. Alors, c'est ça, je vous dis, c'est ça l'intuition qui me vient. D'où est venue cette idée? Je ne sais pas. J'aime les petits points parce que ça me relaxe et j'adore faire tout ce qui est artisanal. Ça complète les faire-part. Je faisais toujours les nœuds et les nœuds et les fleurs avec mes mains. Donc, voilà, c'est ça. Il faut suivre votre petite voix qui est à l'intérieur, on l'appelle l'intuition. Madame Manon Chouchat, basée sur votre expérience personnelle et votre vie, qui est la femme qui vous a impressionné le plus? Bonne question. Vous me prenez au dépourvu. Quand j'y pense, à vrai dire, je n'ai pas une femme qui va vraiment impressionner. Mon parcours de ma vie, peut-être, m'a fait que j'ai eu plusieurs personnes, peut-être, sur mon parcours, des petites périodes, mais je ne peux pas dire que quelqu'un vraiment m'a influencé trop. Par exemple, mes professeurs à l'école, peut-être certains dans un petit domaine, mais ça c'était à l'école. Je ne sais pas, ma mère, bah, je n'ai pas eu le temps trop de la connaître trop parce que je me suis mariée jeune, à 18 ans. Ma mère est morte quand j'avais 26 ans, donc on était un peu loin. Donc, je veux dire que c'est tout mon parcours avec mes expériences que je me suis forgé moi-même. Et peut-être ce qui est très intéressant, c'est que je voudrais être moi un exemple à mes filles. Et quand vous me posez cette question, c'est vrai, ça me donne à réfléchir que peut-être toutes ces années, l'aboutissement de mon travail, même si j'ai fermé mon imprimerie, peut-être mes filles ont été choquées, peut-être ils ont dit, oh maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elles étaient inquiètes pour moi, peut-être. Et je peux comprendre, peut-être je ne l'ai pas compris de cette façon. Et là, Yannick, je voulais leur faire comprendre que je suis forte, j'ai fermé, la vie ne s'arrête pas. Et voilà, je vais progresser et faire une nouvelle vie. Alors je crois que, en fin de compte, je vais être un modèle pour mes filles. Quel est le conseil le plus précieux que vous avez reçu au cours de votre vie? Le conseil le plus précieux, de faire le bien. D'oublier le mal qu'on vous a fait, de jeter derrière votre dos, on ne peut rien oublier. Mais ça vous laisse une trace, oui, mais toujours la transformer en positif. Parce que celui qui vous a fait du mal, je suis sûre et certaine, personne ne n'est méchant. La vie peut-être, il a eu une vie difficile, cette personne, son parcours, son jeunesse, tout, il a mené à vous faire du mal. Mais s'il réalise un jour, il va réaliser que il n'aurait pas dû faire ça. Donc, il faut aimer tout le monde. Nous sommes tous un. Le même Créateur nous a tous créés. Appelez-le comme vous voulez. Dieu, la grande force, tous les êtres sur terre, n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, nous sommes un. Il faut, quand vous réalisez que l'autre, il souffre aussi avec vous. Chacun de nous a ses problèmes, mais on ne doit pas penser que je suis la seule à avoir mes problèmes. L'autre, vous pouvez avoir des problèmes plus graves que les miens. Et vous ne les montrez même pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas. Alors le conseil que je peux dire, faut pas juger. Il ne faut pas se juger à soi-même. Ne jugez pas les autres. Faites tout avec amour, faites tout avec passion. Aidez ce que vous pouvez aider.
Bon, ce qui est superbe dans la religion chrétienne, nous apprennent toujours à prier pour votre ennemi. C'est dur à comprendre, parce que des fois, ça ne se comprend pas beaucoup. C'est parce que votre ennemi, parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, ça ne veut pas dire qu'il est votre ennemi. Il faut accepter nos différences. Il faut qu'on apprenne à accepter que nous sommes différents. Et ça ne veut pas dire que vous êtes différent de moi dans ma façon de penser, que vous êtes mon ennemi. Je dois respecter ça. Avant de terminer notre programme, je pose toujours une question à mes invités. Et là, je peux deviner votre réponse, mais quand même, je vais la poser. Êtes-vous optimiste ou non à propos de l'avenir en général? Oui, je suis optimiste. Bien sûr, j'ai soufflé un peu. Tout dépend de l'être humain, combien il va savoir et connaître et être conscient de ce qu'il est. Parce que quand on voit autour de nous, tout le monde, on parle que la Terre, la vie ne pourra plus continuer sur Terre avec tout ce qui se passe, avec toutes les guerres et tout ce qu'il y a. Mais il y a beaucoup des esprits de lumière qui travaillent et je suis sûre que le bien va remporter. Madame Manon Chouche, à la fin de notre édition de Femmes d'Égypte, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, merci de m'avoir pensé à moi et de faire le suivi. Je suis très heureuse d'être parmi vous et j'espère que j'ai été, vous apporter quelque chose de positif. Et on continuera dans mes expositions, je vous ferai savoir. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine notre émission pour aujourd'hui de Femmes d'Égypte. Rendez-vous la semaine prochaine afin de découvrir ensemble la réussite d'une femme d'Égypte. Merci et au revoir.